les Parisiennes ont des chapeaux. Mais aussi des idées, la dernière. Supersonique. C'est la cape. Le rêve d'une Parisienne. Est-ce qu'il m'aimerait avec une cape? Je la vois unie. Non, avec des carreaux. Non, unie. Avec des carreaux et une casquette. Non, unie et sans casquette. Dis, tu m'aimes? Je voudrais des bottines. Avec des lacets et un museau verni. Et un bonnet de fourrure. C'est ça. Je voudrais avoir sur la tête un nuage de fourrure. Est-ce que j'aime les manteaux avec de la fourrure? Pas mal, oui. Dis, tu aimes la fourrure? Et les casquettes? J'adore les casquettes. J'adore les casquettes. J'adore les casquettes. C'est battre les casquettes. C'est chouette les casquettes. Bah. Ah. Bah. Des Parisiennes, nous en avons interviewé trois. Monique Guarab, décoratrice en parfumerie. 20 ans. Vous habillez-vous aux prises uniques? C'est rare, très rare. Tout le monde s'habille aux prises uniques. Ben, c'est-à-dire que ça dépend lesquelles prises uniques. Parce qu'on va dans des prises uniques à Paris, ils sont sensationnelles. Que dans mon coin à Bois-Colombes, c'est plutôt paysan. Pensez-vous suivre la mode? Je suis la mode pas au pied de la lettre, parce que j'aime pas être un numéro standard. Les capes? Non, c'est pas parce que c'est trop pas la mode, c'est pas joli. Je trouve ça super, les courbes du corps. Sauf qu'un petit manteau ajusté, c'est plus joli. Marie-Christine Racine, étudiante, 20 ans. Claude, 23 ans, vendeuse de Galerie Lafayette. Pourquoi suivez-vous la mode? J'aime être dans le goût du jour. Tous les colifichets parisiens qui viennent de sortir, j'aime les connaître. Gagnez-vous suffisamment pour suivre la mode? Non, on gagne pas suffisamment. Alors que faites-vous? Oui, on se débrouille. Comment? Ben, il y a les parents. Et dépensez-vous beaucoup d'argent? Ah oui, j'ai tout ce qu'il faut. Et vous, dépensez-vous beaucoup d'argent pour être à la mode? Oui, assez. Toute ma paye passe dans la toilette. C'est absurde. Absurde pourquoi? Parce que quand même, il n'y a pas que ça. Si, je peux pas résister. Pour vous habiller, combien dépensez-vous d'argent? Non, pas beaucoup. Pas beaucoup, pour la bonne raison que j'en ai pas beaucoup. Et puis que je trouve que la moindre petite robe, enfin très mignonne, très simple, il faut compter un minimum de 20 000 francs et moi je les ai pas. Souvent je brûle d'envie de m'acheter une robe dans une vitrine parce qu'il faut que j'achète le tissu, que je coupe, que je taille, que j'essaye. Je peux pas sortir 20 000 francs, je les ai pas. Attacher de l'importance à sa toilette, ça veut dire quoi? Trouver des idées. Mais où des idées? Dans les magazines. Non, I was late, I'm sorry. But the beginning of this was right. Cette fille à pompons que vous venez d'admirer, la voici en vrai. C'est une cover girl, nous sommes dans un studio photo. Voici le photographe. Qu'est-ce qu'un photographe? C'est le monsieur qui affirme, tu es en croisière sur le yacht de Nassis, il y a du vent, ton manteau vole et tu penses, c'est ça la vie. Voilà. Ce photographe-ci s'appelle Fouli Elia, c'est le photographe vedette d'un grand magazine. Ah, et droite. Ah, maintenant comme tu étais, c'est bien. Va, mais à gauche, mais à gauche. À droite, je veux dire. À droite.